Bonjour, wala fanda wapi wapi. Na huko principal eti ya Ben. Sasa kupita mabii. Eh ndio pale chepo na malenga. Jina lako nani? Jina lako nani? Papa, bati yana na kati nani na sambi sangane za pesa bati na kati kwa zao mtu kwa. Kasereka Daniel Mbokani. Ya kupoli, mama nita sirete papa. Iko njo Muhindo vidanze kanyere, mama kanyere, Clarisse. Unatumikia wapi sasa? Eh? Unatumikia wapi? Mie. Mm. Kutumika. Munaopere wapi na wapi? Kuvere. Mm. Kwa hiyo munafanyaga kazi yenu, sasa munaenda kwa mission. Kwa mission? Mm. Iko tu nani? Nani? Fashion vita hile kupita mavivu. Nani lele? Idou. Pale ndio kwa major. Ah. Ya politiki. Me na huko unaitika kika mimi mwana waka kubatu. Kubatu? Mm. Sie tulikuwa na dia hanja juu, sie tulitoka kule Rochuru na tuko kwenye trua. Anasema tu sala kule Rochuru sie ba mingi, tuende kwa Mbeni. Ndio bana kia geuza huko njo ekipe. Me ba kubwa yetu mimi najua biko politiki na manonyana ADF. Bote na bote be mana kwa kusii na ba jua na ile magate simu tu. Bali kubakuba ako tiki. Hata karte simu ile ni ya mkubwa. Bali iko ba ADF kila nimerenja kwa mmoja. Bali ba Silve. Babara, vale vote ni yangu. Kakule, yele vale bapoi turi, vale vote ni yangu. Ah, okay. Tosho kwa. Mwengine jina ke kakule. 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 Ye kakule kwa. Matakimene yote. Kasa ba machete yako kwa. Machete, machete za. Kwa machete. Ziwa kuchunga. La paire a changé de camp. Très chers abonnés. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Binoba Obolandara Bisso de partout sur votre chaîne Actualité 26 TV. Nous sommes là, une fois de plus, pour vous informer. Namai Matali, République démocratique du Congo. Vous avez suivi la vidéo au début de notre émission. Ndenge Wapi, Banyangala Kata Oyaba M23. Bazala qui capturé par le FRDC et puis yemoko a kota to la monoko na kauti auti ruchuru pembeni ya ba M23 na ndenge ni na uteki kozala ya kokangama. OK, d'accord. Alors mesdames et messieurs, comme vous le savez, ces derniers temps Kagame a ko perdre davantage. Et puis je vais vous parler Bande konanga bino oyo bulandaka biso de partout. Tobete ki sete awa pour na koyebisa bino ke non Joao plutôt William Ruto, le président kenyan. Ndenge nini asala ki complot na ena Joe Biden, ba plaça ki ba stratégie na bango ba lobi non. Cette fois-ci, il faut toye banani ni ko déstabiliser Tshisekedi, il faut to créer plan et puis na plan yango et ko senga nini Tobi Misa, Tshisekedi lokola auteur ya massacre contre le Rwanda. Je ne sais pas, bato o bali ba intellectuel, bato bali na bongo ya bato ba ko comprendre makambo. Na bato bali na bongo ya ko mona de loin ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, soki bato ba ko kufa na est de la République, soki bali ba Rwandais, to bali ba Congolais. Voilà la première chose. La deuxième chose, je me demande et puis je me pose la question. C'est le Congo qui est en train d'agresser le Rwanda ou le Rwanda qui est en train d'agresser le Congo? Boyo Kamarambo, William Ruto à lobby. Le président William Ruto condamne l'agression de l'Ukraine par la Russie et a accuse la Russie de violation du droit international tout en
justifiant l'agression de la RDC par le Rwanda, ces dirigeants africains qui continuent d'être le marionnette de l'Occident. Vous voyez, vous comprenez, mesdames et messieurs. William Ruto, c'est la personne au Wapi, il est déjà dans la stratégie, dans la idée, dans la basala qui va le Waki. Non, il y a des gens qui font ça à la base, il y a des gens qui facilitent ce qui va se passer en République démocratique du Congo, comme vous le savez. Il a été la première personne qui a rencontré Joe Biden, et puis qu'on a la déclaration avec Joe Biden pour dire que non, t'es. Problème, il y a la République démocratique du Congo. C'est un problème qu'il faut négocier. Pas à quoi qu'il ne sas. Vous voyez, mesdames et messieurs. Ce n'est pas pour rien que le monsieur a tellement pour le Kenya ni Koko Tislabi Naba Kenya Nakatia M23. Ce sont des personnes à ne pas faire confiance. Il faut total arabango na musika. Et puis, bango nde mutuba ko lukani ni koyeba na ko déstabiliser le Congo. On ne comprend pas. Boni, est-ce que les Occidentaux, ba koyeba na ko zala d'accord, ya koyeba na ko appuyer la République démocratique du Congo? Parce que pour na bango, tu sais que du reste est décisif. Parce que tu sais qu'il y a un peu de négocier dans Rwanda, pas pour que l'intérêt de l'abuso est à la cacher, mais tu sais qu'il y a un peu de négocier dans Rwanda, parce qu'il y a un peu de déjà l'intérêt de l'abuso et qu'on a la bafoué, l'intérêt de l'abuso et qu'on a la anéanti, jeté dans la poubelle. Et donc, Hippolyte Kanambe Asala a préféré qu'on a intérêt à peuple congolais, qu'on peut se faire un Rwandais, qu'on peut se faire un peu occidentaux. Mais les Occidentaux, ils ont dit qu'ils ne sont pas immeubles à Malamu, ils ne sont pas en Cambodge à Malamu, ils ne sont pas avancés à Malamu. Mais les Congolais, on est jusqu'à présent. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en Cambodge à Malamu. Alors, pourquoi William Ruto a préféré de trahir la République démocratique du Congo? En ce moment, presque tous les présidents africains, bazali ba marionnette ya communauté internationale. Je vous dis, ba président africain Belé Lelo, bazali ba marionnette ya communauté internationale. Ba ko travailler na bénéfice à ce que la communauté internationale aye mana ko sala bango ba faveur ya ba mandat ndenge moko tomoni na Joao Lourenço na Angola. Il est en train de négocier le troisième mandat aye mana ko régner toujours na Angola. Et puis la décision des États-Unis le ba ki que non tondimi ko pesa yo troisième mandat, mais à une seule condition: de trahir la République démocratique du Congo. Néango bomona ki kenon na minute oyoyo to bandeli yango lisusu, peut-être certaines congolais mususu bazwa ki mba noté ya kolanda émission otokota ki dernièrement. Na minute oyo na Angola na soyu ya une base militaire américaine qui est en train d'être ya ko salama oyo déjà une grande partie déjà et salama ki et tra li partie mususu. La base militaire en question américain, projet phare yango ezali nini? Na moment o tozali na yango, très chers abonnés, base militaire o ba américain ba ko créer na soyu, ce n'est pas une base militaire pour, en vrai dire, ya ba américain, mais c'est une base militaire qui va contenir de Rwandais. Oyo wapi na ide na bango ezali nini? Ils vont envahir Soyo et puis baye bana nini ko attaquer biso à partir ya Soyo ba kota na ba Congo central, baye bana kusala boy, baye bana kusala boy. Tout ça pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont commencé à lancer le message que notre Goma sera tombé, Goma vraiment boyé, Kinshasa boy, ndeti dernièrement awa wa tout ki ko pesa bino message information. Comment est-ce que Corneille Nangabertin Bissimwana, Sultan Makenga,
Bah, ici, biso bazali à quelques kilomètres de Kinshasa. Et puis l'information, comme il dit directement que non, il y a des Rwandais na Boma. J'ai alerté la population, j'ai alerté le service de sécurité. Il est grand temps de bananini, de sécuriser mo cannabis. Pas question toti kalami souboye, monsieur toti kalami sou mai mai. On doit protéger la population. Protéger le président de la République. Et là, on peut s'abuser au passé, ça les gars, non? Comment est-ce que ma frontière, la bise, ça la protéger? Comment est-ce que des gens, oh, ben, ils sont censés protéger la République démocratique du Congo, le président de la République, n'engagez ne bâti qu'à Mbo cannabis au passoir, n'engagez ne bâti qu'à polélé Mbo cannabis. Et là, on se comme ça, la bise, ça congolais en moins. Et lorsque les camps s'arrêtent bateau auto, il y a groupé ces mines d'informations. Nos frontières, est-ce réellement le personne, deux personnes plutôt, on va protéger la frontière Nabisso, Bazali, on a pour nous sécuriser pour province, la frontière Nabisso. Est-ce réellement ce sont des Congolais? J'avais posé la question ici. Franck Diongo Abimimbo Kandengeni n'est pas qu'il s'est retrouvé à Bruxelles. Vous voyez? Franck Diongo, en ce moment, n'a péro louar à wapi na Bruxelles. Franck Diongo a bimaki mboka ndengeni. C'est pour cela, on se pose plusieurs questions. Ba frontière na biso. Est-ce réellement, il y a des Congolais au bazalaga ba frontière na biso pour protéger la République démocratique du Congo? Écoutez, le général d'armée, urgent, Rwanda, le général d'armée Jean Bosco Kazura a été arrêté sur ordre de Paul Kagame. Ce général de l'armée rwandaise est accusé d'avoir présenté ses inquiétudes sur la guerre que le Rwanda mène en République démocratique du Congo, appelant ainsi le militaire rwandais à confusion, c'est quoi comme kokota na Rwanda? Confusion et comme kokota na Rwanda. Nous allons développer. Tout d'abord, continuons d'abord avec William Ruto. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous pensons ceci. Il faut au cas à toutes les relations, surtout autour de Rwanda, William Ruto, na Kenya. Parce qu'on ne peut pas croire que le Kenya a continué qu'on a trahi le président de la République jusqu'à ce point. Comment est-ce que William Ruto y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie? Sans pourtant savoir que non, en ce moment, la Russie a commis le rôle sauveur des pays africains. Alors que l'Ukraine, il est soutenu par plusieurs Occidentaux, plusieurs pays, où il y a une grande puissance, tout le monde a les États-Unis. Tout le monde a la France. Ote biso to zali ba grande puissance. Ote biso to zali be biso to zali be. Oui. Pour soutenir l'Ukraine, tout le pays européen, il y a États-Unis, il y a Asie, voire même il y a Afrique, bah comme il faut soutenir l'Ukraine. Mais je ne pense pas que nos bateaux va couper na Ukraine. Bah les gars, tu as 100 000. Tu as 100 millions de personnes. Je ne pense pas. Mais si c'est pour comploter contre les Congolais de la RDC, comploter contre Tshisekedi parce qu'il est en train de se battre pour le Congo, wana okomona tout le pays, même les Africains, bah, comme ils se comploter contre Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils refusent totalement de céder les minéraux entre les mains des étrangers. Ils ont dit Rwandais, ils ont dit Paul Kagame, ils ont dit Nani, Joe Biden, Macron. Il y avait une question au batuna qui bisou dans commentaire sur l'émission au tokotia qui lobbyère. J'avais trouvé cette question intéressante. Pourquoi? Il y a quelques semaines, le Rwanda a voté qui loi moko boyata qui n'a mboka naye, même na parlement naye,
baza obligé wana Paul Kagame sur l'ordre du président Paul Kagame baza obligé ya ko soutenir 80% mais à 100% le M23 obala na mabele na biso siko yoka siko deuxième siko yo chose obalobi à part le parlement va soutenir le M23 alobi le susunini il faut obligatoirement la population rwandaise va soutenir banani ba rebelle M23 ou banana S de la République. Parce que je me suis posé plusieurs questions. Oui, tu es bien que Paul Kagame a la sanguinaire, a la bouillasse. Oui. Mais pourquoi la population rwandaise va tirer qu'on s'est manifesté? De l'autre côté, R. Moro Peto qui est de gauche à droite. On est d'accord. Peut-être la population rwandaise est d'accord. T'es dans l'union surtout au Kagame à l'est de la République. Peut-être la population est au Banganine. A Kobo Mabino. Bisopé A dans la République démocratique du Congo. Kabila voulait, elle ne voulait pas plutôt qu'on salisse à l'élection. Il tuerait sur la population à bout portant sur la population. Le militaire, oh Kabila, tiens la kibiso na mboka, oh yo. Pendant que la population réclamait des élections, Kabila a envoyé ses militaires pour tirer à bout portant sur la population. Malgré cela, la population continuait toujours à réclamer des élections. Malgré tout, il tirait sur la population. Mais la population continuait toujours à réclamer des élections. Jusqu'à ce que Kabila a sali sa élection et puis à Lungwa. C'était sur base de réclamations. Il y a population chaque jour, presque chaque jour, chaque semaine, bah marche, togo kende, bah ça les marche mais tout kei. Malgré tout, même bah prêtre catholique, bah ça qui frappait à l'époque. Bah on commet à ma fille, moi pas ma militaire. Y a un moment donné, lelo, ceux qui fridolaient à Mbongo, à Kukumisa, Kabila, et qu'on s'allonge monter ma passe. Et que ça l'a monté ma passion pour ça raté. Parce que Fridolin Ambong ne peut jamais jeter de fleurs sur Kabila. Parce que Kabila avait humilié même les églises catholiques. On a frappé des prêtres catholiques. Mais aujourd'hui, Fridolin Ambong, à cause de l'argent, Fridolin Ambong a trahi. A trahi Naemo Konzambouk. Alors. Pourquoi la population rwandaise va à côté les matins pour réclamer ou soit pour contester toutes les déclarations au roi Paul Kagame à Kozwaka contre la République démocratique du Congo? Deuxième point. Pourquoi la communauté internationale va à côté les matins pour sanctionner sévèrement Kagame na oyo akozwa ba décision na est de la République? Parce que l'est de la République n'est pas l'est du Rwanda. L'est du Rwanda n'est pas l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une grande différence. Mais si les Occidentaux sont d'accord de tout ce que Kagame a accosté dans l'est de la République, c'est parce que c'est un complot déjà bien élaboré. Bah, yébi en haut très bien. C'est pour cela la France et les États-Unis. Bah, d'aller bateau autre, oui, côté là-bas, mon moté maté. Ce sont de traîtres. Oh, ouais, puis bah, qu'on se faire cacher. Yango, moni, voire même, ils ont corrompu, voire même William Ruto. Joe Biden. Ils ont corrompu João Lourenço, Sassou Nguesso, n'en parlons même pas. Parce qu'en ce moment, William Ruto est en train de se battre aux côtés du M23. Donc, il y a une minute pour aller. Rwanda est menacé. Rwanda est menacé pourquoi? Rwanda est menacé par le Congo. Et puis, on avait déjà capturé plusieurs
élément kenyan na kati ya M23 de place wapi William Ruto atalaka lobité a na minute ndenge abwe nazaye susu na place akubata mate déjà ba mon mutakala na ngai monani excusez-moi déjà bolumbu na ngai monani donc na mibi misakaka eh alors mesdames et messieurs très chers abonnés très urgent na Rwanda un général rwandais sur ordre de Paul Kagame vient d'être arrêté. Pourquoi Bakangi? Il a été arrêté parce que Abandaki ko plerniché. Pourquoi il plerniché? Akomi ko loba ah! Mais nenge to ko menacer pe bato ba ali la est de la République, il y a RDC. Boko mona te ke toko toko sala mabe. Parce que oh toko bomana ba ali ba être humain biso pe le loto lobi ba ko boma biso le temps qu'il parlait abanaki ko la ki sa ba inquiétude na e ba kei ko ebisa Paul Kagame. Paul Kagame ayo ki ango Paul Kagame a lobi na e ngala lingaka bato ba le la rate ngaso ina lobi boma mutu boye il faut boma. Ce que l'on a eu de l'eau, comme il y a une inquiétude, cela veut dire que non. On peut occuper ou trahir. L'on a eu déjà, comme il y a déjà un militaire rwandais, Moussoussou. On peut occuper ou talis, ça va être vérité. Que non. Oh, beaucoup ça les alim, abé. Oh, beaucoup ça les alim, les alim. Cela veut dire que non. Il faut dans le haut à la écarter. C'est le général Jean Bosco. Jean Bosco Kazura, il a été arrêté par l'ordre de Paul Kagame. Nya soana ni parce que hier a komi komona yango mabe, pourquoi est-ce que ba ko bomaka na est de la République? Pourquoi ba ko bomaka na est de la République? Alors très chers abonnés, Kagame na minute oyoyo, il est en train de prendre de grandes décisions. Pour n'aille aucun généraux, il faut aller banako réclamer, to aller banako plernicher, to aller banako yokamawa na bato oboa kuboma na est de la République. Donc général mokota kouri ko lela, ke non tena est de poni to kuboma beto ko salame. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Sanctionne le général Jean Bosco Kazua. À part d'abord que non, il a été arrêté parce qu'il plernichait. Il faut comprendre une chose. Et là, il y a un coup d'état qui est salamé en Rwanda. Je vous ai dit ici que non, mon niveau occidentaux, ça va bien. Il y a un bandé de temps pour beaucoup travailler. Au sentir que non. Baza ko appuyer yo sanction pina yé pina bi balongo li yango ba ko protéger yo. Mais le blanc baza la très malin. Le blanc baza la très malin. Le général Jean Bosco Kazura, il a été arrêté pour deux choses. Premièrement, eloko ekangisi makasi ezali nini? Il était en train de sensibiliser plusieurs militaires dans Rwanda pour qu'il y ait un coup d'état contre Kagame. Le général Jean Bosco Kazura, il était en train de préparer un coup d'état contre Kagame. Parce que certaines personnes au Bazali, manipulées par Kagame, ils ont alerté les services de sécurité de Paul Kagame que note, il y a quelque chose qui va arriver. Oh, wapi tala mutukingani ako préparer le kobo, ako préparer boy, ako préparer boy, ako préparer boy. Et puis, il avait déjà alerté plusieurs militaires rwandais, bah, ils vont accompagner dans n'importe quoi. Coup d'état raté.
avant même à exécuter l'opération et à courir comme ça la coup d'état contre Kagame, il a été arrêté. Il a été arrêté parce que Batali Balobi non, moto oyo a continué d'abuser de ma bétro. Moto oyo a continué d'abuser tout en samakila trop. Alors vu qu'on continue d'abuser tout en samakila trop, cette fois-ci il faut tomber tel car coup d'état. C'était ça l'idée du général Jean Bosco Kazura. Et puis deuxième chose, les alaki quand on l'enga l'état qui bah militaire rwandais, certains de militaires rwandais bah alaki na moralité, bah alaki préparait moralement. Parce que pour faire un coup d'état, il faut que vous soyez bien préparé moralement, physiquement et puis na makamusus. Ils n'étaient pas vraiment préparés, surtout moralement. Yango omuna ki keno kop na bango ya kukwa isa Kagame e me echoué mwa mouke. Parce que na minute yo Kagame azana service de renseignement moko ya ndenge moko ya makasi. Akomi komona deja danger ezali liboso na ye. Akomona deja keno awa na minute yo soki na sali ere. Je serai arrêté. Alors qu'est-ce que je dois faire? Azali sou soit na confiance mon côté na bato balali ko entouré. Dernièrement awa auti ko sala nini remaniement na kati ya gouvernement na ye, remaniement na service de renseignement na ye, parce que amoni bato misusu baza moi baza moi palpiter moi un peu trop. Parce que la minute même le peuple rwandais bakomi ko réclamer makambo ne ebélé, bakomi ko plernicher trop. Bah comme il colle là trop. Ha. Coup d'état raté na Rwanda. Kagame comme il ko banga liwa biso to kanisa ki peut-être que non. Ndenge ya boma batu boye. Em suzi ya banga na ye liwa te. Nzo gande Kagame pe abanga ka liwa. C'est grave. Écoutez, avant qu'on puisse terminer, Un sujet ADF capturé par la coalition FARDC Wazalendo, interrogé, il dit clairement venir de Rutshuru dans le M23. Une preuve de l'ADF et le M23 font une même équipe, tous soutenus par le Rwanda. Ibele ba retourne ngai mendeko ADF ngo lisusu nini ADF ngo lisusu nini je vais vous expliquer ADF elingi koloba boye le force démocratique allié sont un groupe armé ougandais fondé en 1995 regroupant des mouvements d'opposition au président Yoweri Museveni. Ezali, ba à peu près nenge moko na eloko oyo yo ba mindele balobaka na biso. Ba mindele balobaka na biso nini? Ba FDLR. Boyo kasko signification ba FDLR une fois pour toutes. Parce que Kagame alinga kakola eta biso makambo ba FDLR trop. Abo sa narakeno, ba FDLR, ba ali ba Rwande. FDLR, ce sont des Rwandais. FDLR, elingi kolobaboué, Force démocratique de libération du Rwanda. Nabandeli, FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. Le FDLR, ezali bato oyoyo. Ba telemelaka pouvoir ya Paul Kagame. Ba telemelaka. Ba désordre ya Paul Kagame. Régime ya Paul Kagame. Parce que le ADF. Ba zalipe. A peu près nenge moko. Ba kangamara pe karana ba M23. Parce que dans une opération. Oh wapi ba manaki ko sala. Ba lingaki ba attaque biso. Ils ont été capturés, le ADF, par le FARDC Wazalendo.
dans une vidéo que vous avez suivi au début de l'émission, boyoki ndenge nini ba ko expliquer ndenge bakangiye ndenge makambonyo surtout tout ndenge nini eleki. Alors, pour conclure, très chers abonnés, le président de la République a besoin d'un soutien à la population pour protéger. Pour protéger mon Konzambo Kandengenin. Au moins, il y a un peu de temps pour signaler mon Konzambo. Au moins, il y a un peu de temps pour signaler mon alerter mon Konzambo. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, très chers abonnés, le Rwanda est en train de tout faire pour infiltrer Kinshasa davantage. Parce que nous avons des infiltrés au Wapi déjà plan à Bango déjà et comment qu'on sala mabaye banani kokota Kinshasa. On a alerté le service de sécurité, le service de renseignement. Il faut à tout prix koye banako landela ba place signé surtout na Congo central, beaucoup plus na Boma. Parce que na Boma est une place yo ba cibler makasi pour venir koya ko attaquer la République démocratique du Congo. Leur plan est allé quoi infiltrer la République démocratique du Congo. Leur plan est allé quoi infiltrer Kinshasa. Parce que, bah, comme on a déjà dit, ceux qui vont infiltrer Kinshasa, ils auront le deuxième chance à quoi ils vont assassiner Tshisekedi. Parce que pour nous, on va dire que ceux qui Tshisekedi ont été en train de se faire, ils ont été. Et puis, bonne nouvelle pour terminer l'émission, déploiement de bateaux de guerre et comment qui déjà la Goma. Ne place au wapi makambolinge banda sikoyo. Nous allons bombarder plusieurs positions yaba M23. Toko zela Corneille Nanga na Kinshasa parce que Corneille Nanga Bertrand Bissi mana Sultan Makenga ba prometa ki biso ba ba keton na quelques kilomètres déjà ba koko ma Kinshasa ba za dena na quelques kilomètres. Toko zela ba ma boko polele. Parce que en ce moment tant que tu as alerté qui va service de sécurité, va service de renseignement, ministre de la défense, tout le monde qui m'a loukoukou n'a déjà va renforcer ma militaire. Alors il est temps aussi, boye ba na penuni, qu'on renforce ma militaire na Congo central. N'est-ce pas que tu as été na Congo central, Congo central, Congo central. C'est de là que Kagame a choisi pour attaquer une fois de plus le Congo. Merci de nous avoir suivis.